Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette vidéo triple unboxing. Aujourd'hui, on va pas ouvrir un collector, on va pas ouvrir deux collecteurs, mais on va ouvrir trois éditions collector pour cette vidéo. Alors, je fais ce format-là étant donné que je vais traiter des petites éditions collector aujourd'hui. Pas de quoi en faire une vidéo entière pour chaque édition. Donc voilà, on va passer rapidement sur trois petites éditions qui sont sorties ce mois-ci. Alors, il y en a une qui est un peu plus ancienne, mais j'attendais le bon moment pour en faire une vidéo. Voilà, c'est un format que je vous ai proposé sur Discord. Vous avez été pour la plupart favorables pour faire ce genre de format triple ouverture. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de faire au plus rapidement parce que évidemment trois ouvertures c'est assez long. Dans cette vidéo, je vais ouvrir, enfin du moins, je vais monter le deuxième coffret de One Piece, le coffret Alabasta. On va voir ce qu'il en vaut, même si bon, on sait déjà à quoi s'attendre déjà un petit peu, hein, vu que j'avais déjà fait une vidéo sur le premier coffret, le coffret Is Blue. Ensuite, on attaquera avec Arrête de me chauffer Nagatoro, l'édition Deluxe qui était sortie il y a maintenant un ou deux mois, je ne me souviens plus exactement. Alors j'ai déjà eu l'occasion de lire l'édition normale. On va pouvoir voir les petites différences entre les deux éditions. Et enfin, en fin de vidéo, on ouvrira l'édition limitée de moi quand je me réincarne en slime. Tome 19, voilà, Kurokawa, on fait une jolie petite édition collector comme ils ont l'habitude de faire, on découvrira ça en unboxing. Et étant donné que le format est assez différent de d'habitude, là je vais faire comme à chaque fois les points négatifs et les points positifs, mais je les ferai sur le tard, hein. Je vais pas faire une vidéo hyper longue, vraiment divisée en 3, je vais faire tout ça au fur et à mesure. C'est parti pour l'unboxing. Alors, voilà l'emballage, le packaging de base de ce coffret. Alors évidemment, il n'est pas monté, c'est à nous de le faire, hein, comme le premier. Donc là, c'est évidemment la version vide. Pourquoi je prends là d'ailleurs? Pourquoi je le prends ce coffret? J'en avais déjà parlé, hein, mais tout simplement parce que, étant un énorme fan, évidemment que tout ce que fait Glenna, tel un gros pigeon, tel un grand Yankee, bah je prends, hein, moi j'achète. Mais mine de rien, bah moi je les prends quand même, puisque je les trouve quand même assez jolis. Alors certes, il y aura toujours le même défaut, le même problème lié au fait que les coffrets sont beaucoup trop petits pour accueillir les anciennes versions, les anciennes traductions des tomes de One Piece, donc ce qui est mon cas. Mais je les garde, enfin je les prends quand même pour le coffret en eux-mêmes, je les trouve assez jolis. Alors je pense qu'on va y revenir, mais effectivement la matière utilisée est pas top, c'est très fragile. Alors je ne sais même plus comment on fait, alors puis en plus la notice je l'ai balancée. Je vais essayer de voir par rapport aux autres coffrets comment j'avais fait, enfin à l'autre coffret comment j'avais fait. Bon, ceci dit, le montage est très très simple. Très simpliste, voire même un peu trop, puisque vous allez voir la fragilité du coffret. D'ailleurs, celui-là est plus petit, hein, du coup. Ce coffret est un peu plus petit que celui d'Is Blue, étant donné que il regroupe un tout petit peu moins de tomes, puisque là, ça va du tome 13 jusqu'au tome 23, si je dis pas de bêtises. Et du coup ça fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, donc 11 tomes, là où pour Is Blue il y en avait 12. Voilà, fragilité, c'est vraiment le gros défaut de ce coffret. Alors le vieux fond dégueulasse, c'est vraiment la vieille plaque moche. Et pourquoi je dis que c'est un énorme défaut? C'est parce que les versions japonaises de ces coffrets là, la matière utilisée est beaucoup plus solide. Ah, mais cette fois-ci, par contre, ça c'est bien, l'espèce de plaque au fond recouvre toute la surface du fond, parce que sur l'autre coffret, il était un peu plus petit. Et du coup, vous voyez les... Je sais pas si ça va se voir, mais on voit la bordure, là. En gros, le fond peut s'enlever, genre là. Là, ça recouvre vraiment toute la surface. Donc ça reprend un peu le même design, hein, une espèce de gros bouquin. Et encore une fois, moi je pensais qu'au moment où ils avaient annoncé le premier coffret Is Blue, je pensais que c'était des vrais livres.
qu'on retirait comme ça, mais non, que nenni. Petit défaut également que je remarque. Alors c'est très beau, hein. C'est très joli, ça reprend vraiment le design de l'arc Alabasta. On a trois des moments les plus emblématiques de cette saga-là. Parce que je dis arc Alabasta, d'ailleurs, ils mettent arc Alabasta. Moi, je dirais plus saga. Saga Alabasta, parce que ça regroupe beaucoup, c'est beaucoup plus large que Alabasta. Ça commence avec le Cap des Jumeaux avec Laboon. On a Whiskey Peak, on a Little Garden, on a l'île de Drom avec le Docteur Illuluk. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'ils aient gardé cette illustration. J'aurais plutôt pris l'illustration avec le cerisier en fleurs. Enfin bon, voilà, ça c'est un petit détail. Par contre, là, je suis bien d'accord. L'illustration finale de l'arc Alabasta est très bien utilisée, c'est très très bien. Pareil pour les deux illustrations du coup. Baroque contre l'équipage du chapeau de paille avec Vivi et Karou et Loncil, on ne l'oublie pas. Donc la petite notion du 2. Mais autre petite chose que je regrette, c'est qu'il n'est pas mis de vernis ou des dorures pour le logo One Piece, pour tout ce qui est en doré. Ça aurait dû, vous voyez, ça aurait dû être un peu plus impactant, que ce soit... un peu différent du reste, je trouve ça un peu dommage. Par contre, la frise, ah bah vous voyez, le fond s'est enlevé, c'est ce que je disais. Mais c'est sympa par contre la frise, regardez, c'est pas choquant, la transition elle est pas si exagérée, ça reste bleu et marron-orange, mais la transition est plutôt correcte. Donc voilà. Là-dessus, les boîtes sont très jolies, mais encore une fois, elles sont beaucoup trop fragiles. Et pour ceux qui ont les anciens formats de tomes, bah du coup c'est dans le cul, on ne pourra pas mettre du tome 13 au 23. Je suis même pas sûr qu'on pourra aller jusqu'au tome 22. Enfin bon, il faudrait que je fasse le test. Mais néanmoins voilà, pour le coffret Alabasta qui est disponible et qui le sera encore très longtemps. Je crois même que j'ai vu des coffrets East Blue, coffrets vides en librairie il n'y a pas si longtemps. Donc c'est le genre de produit qui aura du mal à partir, je le sens. Voilà, j'ai zoomé un petit peu plus la caméra puisque là c'est moins grand, puisqu'on va maintenant s'attaquer à Arrête de me chauffer Nagatoro, donc l'édition Deluxe. Alors Arrête de me chauffer Nagatoro, ou du moins Noeve et Graft, ont l'habitude de faire des éditions Deluxe. Alors c'est pas des éditions collector comme on a l'habitude de voir sur toutes les maisons d'édition, mais là ce sont des éditions Deluxe, même si ça ne change pas énormément, hein, c'est le concept reste le même. C'est une couverture inédite, regardez bien la différence, voilà, c'est le jeu des 7 erreurs, mais en général c'est souvent la même chose, c'est souvent la bouche de Nagatoro qui change. Sinon, alors je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, mais le bandeau est différent également. Je les garde les bandeaux, moi je trouve ça sympa. On a également le contenu de cette édition, alors qu'ils appellent ça DX du coup, l'édition Deluxe, exclusivité française d'ailleurs. Bah en même temps, c'est Noeve et Graf. En général, Noeve et Graf, ils font toujours les choses bien pour les fans de certaines séries. Donc, Arrête de me chauffer Nagatoro, édition Deluxe, il y en avait une pour le tome 3 et le tome 2. Tome 2 que j'ai loupé, du coup, que je n'ai pas. Bon, c'est pas grave. Mais étant donné qu'ils n'en avaient pas fait pour le tome 1 et que j'ai l'impression qu'ils vont prendre l'habitude d'en faire un pour chaque tome, ils vont ressortir une édition Deluxe pour le tome 1. En tout cas, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui a été annoncé. J'ai plus la date, mais en tout cas, c'est de source sûre, puisque c'est Noeve et Graf qui l'ont annoncé. Allez, on va ouvrir ça, donc... Comme je disais, c'est pas une édition collector, c'est une édition de luxe, donc rien d'exceptionnel, vous attendez pas à quelque chose de fou furieux. Sur le tome 3 que j'avais pris, c'était en gros un petit bouquin avec un ou deux chapitres en plus en couleur, donc c'était assez chouette quand même. Le prix, j'ai oublié de parler du prix, j'ai plus le prix, je le mettrai dans un coin, mais c'est relativement cher pour ce que c'est, enfin en tout cas on va le voir tout de suite, mais je trouve que c'est un petit peu trop cher. Alors dans cette édition DX du coup, exclusive à la française, on a 7 ex-libris exclusives de luxe, what, sur papier de soie, ça c'est propre, une jaquette alternative de luxe plus la fameuse carte de Noeve et Graft. D'ailleurs dites-moi en commentaire, mais ah oui c'est joli. Les cartes Noeve et Graf, c'est spécifique à chaque tome ou c'est complètement aléatoire?
Parce que pour le moment, moi j'ai aucune carte en double, donc je pense que c'est spécifique à chaque tome. C'est-à-dire que tous les tomes 4 de Nagatoro en édition normale auront la même carte, etc. etc. Donc dites-moi en commentaire si cette info est vraie ou pas. C'est très sympa, mais alors je comprends pas pourquoi l'avoir fait en... Alors c'est très cool le papier de soie, c'est très joli. Ça a été le cas, je trouvais que c'était vachement bien utilisé pour le collector de Veil, mais là je vois pas trop l'intérêt en fait. Parce que alors c'est très joli, mais le papier de soie ça fait un peu rustique, vous savez, c'est un peu le papier un peu ancien, ça fait très joli, mais là pour le thème du manga, je comprends pas trop pourquoi avoir fait ça. Je vous montre toutes les illustrations, voilà, bon bah c'est des illustrations très waifu, Nagatoro. Un style un petit peu particulier. J'aime bien, moi c'est rigolo, j'aime bien cette série-là. Donc voilà. Donc les 7 ex-libris. Alors encore une fois, les ex-libris, c'est vraiment pas original. Celle-ci est sympa. Mais c'est très original. Enfin, c'est vraiment pas original, justement. Mais du coup, je sais même pas ce que je vais en faire. Enfin, voilà. Ça fait des goodies en plus pour la collection. Et du coup, le tome. Alors, je sais pas par contre si c'est. Non, c'est pas. C'est pas réversible. Et est-ce qu'il y a la petite notion de luxe? Alors là, elle n'est pas notée. Imprimé en Italie. Il y en a. Édition Novégrace. Ah, c'est pas précisé que ça vient d'une édition spéciale. Mais bon, la couverture est quand même inédite, entre guillemets. Donc voilà pour cette édition de luxe de Nagatoro. Allez, on enchaîne avec l'édition. Collector de moi quand je me réincarne en slime, tome 19. Donc, avec ce collector qui nous est proposé par Kurokawa, nous aurons une jaquette alternative. Alors, je pense qu'il dit voilà, jaquette bonus exclusive. Alors, oui, c'est pas une jaquette alternative. Kurokawa, ils font des jaquettes bonus. La différence étant qu'ils rajoutent une jaquette en plus. C'est pas une jaquette réversible ou simplement. Qui a été changé, c'est deux jaquettes, une normale plus une inédite. Avec la plaque en métal collector, donc j'ai ramené également pour comparer les jaquettes, enfin ce qu'ils appellent les plaques, comment ils appellent ça? Des plaques métal collector. J'ai ramené celle de Kurokawa aussi qu'ils avaient fait pour Spy Family et One Punch Man que je trouve très très sympa. Alors je pense que ce sera le même format, même si là c'est en version paysage. On va ouvrir ça. Tout de suite. Alors c'est la première fois que. Alors si je crois que je dis pas de conneries, mais je pense que cette série-là, ils n'ont jamais eu de collector en France. Donc c'est une exclusivité également, je crois, une exclusivité française. J'ai oublié de parler du prix également, 10,90€. Voilà, donc c'est le prix habituel pour les collectors de cette maison d'édition. Hop. Alors, du coup, la plaque en métal, très jolie, en relief, hein, en couleur. Alors, ça, personnellement, c'est un avis perso, mais ça ne vaudra pas la plaque métallique de Berserk. Pour moi, elle surpasse tout. Mais celle-là est sympa aussi. Très sympa. Alors, c'est juste dommage qu'elle soit en format paysage parce que, du coup, c'est plus dans la même lignée que les autres. C'est-à-dire que je pourrais pas les mettre tous de la même manière. Enfin, bon, c'est qu'un petit détail. Mais très sympa. Voilà. C'est souple hein, par contre. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de Berserk, mais Berserk, c'était une vraie plaque métallique bien lourde. Tu pouvais pas la plier à rien. Ça reste quand même un beau produit. Je trouve ça quand même assez sympa. Et surtout, alors pour moi, ce qui fait vraiment la valeur de ce collector, c'est la jaquette alternative. Enfin, la jaquette bonus. Je la trouve vraiment sympa. Très très jolie. Avec le dos qui n'a pas été. Non, la quatrième de couverture qui n'a pas été oubliée. Ça, c'est vraiment bien. En général, alors, c'est très cool de faire des éditions limitées, c'est-à-dire des jaquettes alternatives, des jaquettes inédites. Mais souvent, les maisons d'édition ne pensent pas à la quatrième de couverture. Là, elle est nickel, elle est propre. Et surtout, donc, comme je vous disais, la jaquette bonus, et eh bien Kurokawa, ils font pas les choses à moitié. C'est-à-dire qu'ils mettent les deux jaquettes. Voilà, donc là on a la version normale. Vraiment, hein, regardez, c'est la jaquette qui s'enlève. Ah, ils l'avaient mis comme ça, voilà. Ils n'avaient pas mis dedans. Plus la jaquette inédite.
Voilà. Donc ça, c'est propre. Bien joué Kurokawa là-dessus. Et du coup, moi, personnellement, je trouve que ça reste quand même un bon collector. Voilà, 10,90 €, ça reste relativement honnête, je trouve, pour quand même une couverture alternative, enfin une couverture bonus, plus une jolie plaque en métal. Moi, je trouve ça juste ce qu'il faut. Voilà, c'est le prix qu'il faut, c'est le prix habituel. On a l'habitude chez Kurokawa, ils ont l'habitude de faire ça, de fixer ce genre de prix. C'est très bien, voilà. Bon, eh bien, on va pouvoir passer au débrief. C'est parti. Donc voilà pour cette triple unboxing. Petit débrief très rapidement, donc concernant la box Alabasta, donc toujours les mêmes défauts, voilà, sans surprise, c'est très joli. Là, le design, il n'y a rien à dire, c'est très beau. Et par contre, le gros défaut, c'est la matière utilisée. Ça manque un petit peu de fioritures, ça manque de vernis sélectif, ça manque également de solidité pour le coffret, c'est un peu dommage. Et puis il y a encore ce même problème avec les éditions, les anciennes éditions, qu'on ne peut pas les utiliser, voilà. Glénat ne pense pas beaucoup aux anciens collectionneurs, aux collectionneurs de longue date. Ça, c'est un problème, mais bon, je ne veux pas y revenir parce que c'est tourné en rond. Mais voilà pour ce coffret Alabasta. Nagatoro, cool sans plus. Voilà, je sais que. Alors, encore une fois, je me souviens plus de son prix, mais je sais que ça coûte un petit peu trop cher pour ce que c'est. Mais vraiment pas d'originalité. Décidément, ce mot, il va pas passer dans cette vidéo. Mais des ex-libris, même s'ils sont en papier de soie, c'est vraiment pas original. Je sais qu'en plus, du coup. Novegraph veulent faire un collector pour chaque tome, mais il va falloir quand même trouver un petit peu plus original. Je sais que pour certains, faire un collector pour chaque tome, c'est un peu osé, c'est un peu beaucoup, mais certains le font très bien. Je pense, comme je prends l'exemple très souvent, mais l'Atelier des Sorciers de chez Pika, et ils font un collector pour chaque tome. En même temps, c'est de la volonté de l'auteur, mais il y a un collector pour chaque tome et chaque collector est vraiment unique. Et à sa spécificité, son goodies qui est en rapport avec la série et qui est très chouette. Alors bon, c'est vrai que là je parle de l'Atelier des Sorciers. C'est un univers très vaste, très particulier. On peut faire énormément de goodies. Là, arrête de me chauffer Nagatoro. C'est beaucoup plus compliqué pour trouver des goodies, je pense. Mais si vous voulez faire un collector pour chaque tome de Novegraph, va falloir trouver mieux que ça. Parce que c'est un peu... Désolé de le dire, mais c'est un peu de la merde. Voilà. Qu'on dise, faut dire les choses, hein, au bout d'un moment. Et puis enfin, moi, quand je me réincarne en slime, tome 19 collector, c'est un petit coup de cœur, un petit, juste petit coup de cœur, voilà, parce que bon, c'est pas de la surprise, on sait qu'au Kurokawa, ils ont l'habitude de faire ça. C'est une recette qui fonctionne, voilà, une plaque. Je trouve que c'est un bon goodies. Alors, encore une fois, c'est pas original parce qu'on a l'habitude de voir ça, mais. C'est vraiment un vrai goodies. Pour moi, c'est pas du papier, c'est pas du carton, c'est quelque chose qui apporte de la valeur. Une plaque en métal, c'est mieux décorativement parlant que des ex-libris ou un porte-clés ou un pins ou je sais pas. Je trouve ça plus stylé et la couverture alternative qui est vraiment trop stylée. Voilà. Et bien du coup, c'est là-dessus que se termine la vidéo. Voilà, j'ai très hâte d'être demain puisqu'à l'heure où je tourne la vidéo le lendemain, enfin demain, je vais à la Japan Expo. Voilà, j'ai très hâte de rencontrer certains d'entre vous, de revoir du monde, de la communauté, de voir certains collègues, de voir des éditeurs. Ça va être très sympa, je le sens. Ça fait très longtemps que j'y ai pas, que je n'y suis pas allé, donc très hâte d'y être. Et du coup, je vous préparerai un vlog comme d'habitude. Et du coup, on va s'arrêter là sur ces mots. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À mettre un petit commentaire par rapport à ces collecteurs. Voilà, s'il y en a un qui vous a plu plutôt qu'un autre. Si vous avez certaines choses à dire par rapport à ce que j'ai relevé, par rapport à certains collecteurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire juste en dessous de la vidéo. Voilà, et du coup, on se dit à la prochaine. C'était Cantibus de la Mangatech. Salut!